Donc, finale A-Main, Mudboss Sportsman pour la Coupe Mr. Sportsman. Donc, on répète, passera en premier le numéro 3 de Michel Tardy, passera en deuxième le numéro 7 de Steve Gagnon, troisième le 89 de Kevin Tilly, partira quatrième le 42 de Maxime Beauregard, cinquième Patrick Martel, Félix Despins partira sixième et Jean-François Champagne partira septième culbuteur. Il nous avance. Let's go, messieurs, dans le B. Il y avait plus de monde que ça. Il nous manque des coureurs. Let's go. On avait 40 tours à la finale. On avait Richard Salva qui était dans le B. On avait plusieurs pilotes. 40 tours. Donc, merci à Eric Cloutier pour Jeff. Ça va être bon pour prendre un point parfait. C'est bon, messieurs. Ça va être beau, Jeff. Donc, on fait un tour tranquillement pour la finale Mudboss Sportsman A-Main. Moins vite, Michel. Moins vite, Michel. Au prochain passage, c'est un départ pour 40 tours. Le record gagnera le titre de Mr. Sportsman en sortant de la 4. Et c'est parti! Le numéro 7 par l'intérieur, tente à l'intérieur sur le 3-2. Allez, un craquage! Et le 7, c'est lui qui sort par le sol par quelques positions. Et c'est parti! Et c'est Kevin Tilly, le temps qui est premier 89. Après ces hécatombes devant Maxime Beauregard, c'est pour la Coupe Mr. Sportsman. Le 89 de Kevin Tilly, premier Maxime Beauregard, deuxième Michel Tardy, troisième Jean-François Champagne, quatrième Patrick Martel, Gagnon et Despins. Le 89 est premier. Deuxième position, Maxime Beauregard, un demi-circuit derrière. Donc, dès le départ, pas d'avance pour Tilly. Les résultats du début de course ont poussé de précieux secondes aux autres compétiteurs. Le 89 est premier. Deuxième position, le 42, Maxime Beauregard. Troisième, maintenant c'est Michel Tardy en lutte avec Steve Gagnon, le numéro 7. Les quatre premiers sont sur le tour du bonheur. Cinquième, c'est Champagne, quelques retours de retard. Par l'intérieur, maintenant, Gagnon prend la troisième place. Le 89 de Kevin Tilly dans la circulation lourde. Et la riche obligation à travers l'accrochage à l'attention va remplacer le numéro 3 de Michel Tardy. Et c'est parti. Kevin Tilly complète un 17e tour au prochain passage. Maxime Beauregard, deuxième. Belle course pour Maxime. Et Gagnon, il est deuxième. Maintenant, le 7 est en remontée. En lutte avec le 42 contre la côte. Le 7 de Steve Gagnon est en remontée. Lui qui a remporté le premier programme du GMBRC. Le 89 de Kevin Tilly complète le 20e tour. 8 courses. La moitié de la course. Il en reste autant à faire. Le 7 est en remontée. L'écart est de 4.4 au dernier tour. Maintenant, c'est de 4 secondes. Il a accroché 0.4 au dernier tour passage. Le 89 est premier véhicule blanc. Avec l'équipe orange, deuxième position. Le 7, véhicule blanc et noir, troisième. Maxime Beauregard, quatrième. Maintenant, c'est Jean-François Champagne, Patrick Martel, Despins et Tardy. L'écart s'est stabilisé à 4.1 secondes dans les derniers passages. Et maintenant, même 4.3. The top drivers le 89 de Kevin Tilly est tout juste à vie de l'équipe 42 qui est en 3e position. Par l'intérieur du grand tour, et là maintenant, il n'y a que deux véhicules sur le tour du malheur, le 89 et le 7. 30 tours, 10 tours à faire pour le titre de Mr. Dirt. Sportsman.
Au prochain passage, 5 tours à faire pour Kevin Gueye. Accrochage à la porte de plantation. Et c'est reparti. Le meneur est légèrement impliqué, mais pas trop de temps. The top driver is Kevin Gueye in first place. Deuxième gagnant, troisième Martel, et remonté troisième. On est venu par Martel et... Bon, regarde, on va faire une course, Martel qui s'invite sur le podium. Deux tours à faire au prochain passage, et voilà, deux tours. Incident sur le droit arrière, c'est reparti. White flag, drapeau blanc pour le carrière de Kevin Gueye. En deuxième place, c'est toujours gagnant, mais toujours devant le meneur, donc... Kevin vient de remporter le Mr. Dirt Sportsman 2018. Deuxième position pour compléter son tour, il faut compléter le tour. Deuxième position, c'est de justesse entre Gagnon et Martel. C'est un chien à la de 7 et 69. Donc, Gueye, Gagnon et Martel, 1, 2, 3. Les trois sur le même tour et quatrième remonté pour Félix Despins qui termine quatrième. Photo à l'avance de Kevin, Steve et Patrick.